par le Casino de Montréal en collaboration avec Bud Light Canada. Ce soir, c'est nul autre qu'Olivier Primeau lui-même qui a invité la liste de convives présents à la terrasse d'hiver. Inutile de vous dire que la liste d'influenceurs et de beach babe est bien longue. Mine de rien, je pense que j'en fais un peu partie. Oli, comment se trouve la soirée jusqu'à maintenant? Il y a du bon monde en maudit. Je suis pas habitué d'être Igloo Fest style. Je suis plus Beach Day Everyday style. Mais on a une super bonne soirée. Le décor est malade, la musique est super bonne, je suis super content. Tous les influenceurs sont là présentement. Ils ont répondu présent à l'appel. Maudit que je me sens moins beau que tout le monde ici. Vraiment d'être plus beau. Deuxièmement, à ce soir, j'aime pas le terme influenceur, c'est tous mes amis. Souvent, c'est les parties d'influenceurs. Moi, c'est un party d'amis. Puis c'est une grande famille qui tripe sa musique. Puis je suis tellement content, le casino a embarqué avec nous autres en arrière de ça. La terrasse est tellement sous-estimée ici, tellement belle. Incroyable. Image la terrasse pendant que je parle. Fait que, il commence à avoir du monde un peu, c'est cool. Oh! Comment ça va? En forme? Je me sens mal quand t'es là parce que j'avais confiance en moi avant que t'arrives. Quand ta mère te disait de manger des croûtes, c'était pas un mythe. J'aimais bien écouter vraiment les conseils. Je me sens comme un hobbit. On dirait que j'ai genre du poil sur les pieds, là, moi. Là. Qu'est-ce qui t'a allumé particulièrement ce soir dans cet événement-là du Beach Club? Ben, moi, j'avais dit à Andy Maïpressoir que j'allais arriver à 10h et je suis arrivé à minuit. Donc, quand un Haïtien te dit qu'il arrive à une certaine heure, mais reste chez toi, arrive 2 heures plus tard. Andy était tellement fâché, mais je te salue, Andy, je t'aime. Et lui, là, il est très bon. Dans merci, man. Okay. TVA Sport, le Kevin Raphaël Show. On aimerait ça l'avoir. C'est mon rêve. Moi, j'ai vu qu'il y a des filles qui sont déjà venues te voir. LP, c'est commencé? Non, j'ai pas vu ça, moi. T'as vu ça? Okay. Hey, il est bon, hein, il est drillé. Il me donne rien. Jamais, c'est ma cousine avec ses amis de filles du Saguenay. Il y a encore les 3 célibataires, on peut pas s'avancer là-dessus. Les 3 célibataires. Moi, je suis en couple avec les 2. Oh! Il a pas changé, c'est encore un player. Oh, là, je suis prête à partager. Je suis prête aussi, je suis quand même. Ça m'excite un peu, on dirait. On te prend sur le vif. Non, Matt, t'es avec ton acolyte, Kevin Raphaël. Je suis ému et là, c'est tellement le fun parce que d'habitude, Kevin, c'est toujours le gars qui va rentrer dans... Il sort, c'est sûr, là. Alors là, j'ai tout mon temps pour ne pas parler de ce gars-là. Et, man, il s'en vient, man. J'aime ce que tu portes. Merci, man. Qui t'habille? Maman. Elle t'a mis ça sur ton lit ce matin avec tu parles. Elle me l'a plié. Elle a dit, c'est ça que tu mets demain. Max, dis-moi, ce soir, dans quel mood tu te trouves? Est-ce qu'on fait le party ou est-ce qu'on vient rencontrer des gens? Ben, les deux, on vient voir du monde. T'es arrivé avec qui? Je suis arrivé avec Gaël. Oh! OK, bien accompagné quand même. Okay. Merci, Max. La dernière fois qu'on s'était laissé en entrevue, Claudia, on dansait, fait qu'on va commencer l'entrevue en dansant. Mon rêve, c'est de prendre un verre avec toi. Ouais, on va. Emile, ferme la caméra, on va juste y aller ensemble. Montréal.tv, vous savez, en exclusivité, on invite notre ami Jay Chevry à venir vivre son expérience. On va retourner à Sean Paul ensemble. Bon, ben oui. On va s'arranger avec Olivier Primeau. Quel timing de feu! Vas-y, allez! Non, excuse-moi, je vais pas te faire échapper. Tes parents écoutent ou on s'en fout? Ça, on dirait! Donc ce soir, c'est en association avec le Beach Club, avec Olivier Primeau et tout. Vous êtes déjà allé au Beach Club. Êtes-vous des beach babes? Êtes-vous... Non, pas rendu là encore. Non? Je dirais que l'été passé, j'ai eu une petite passe rebelle un peu. Je suis allée 3-4 fois. T'es déjà allé? Une fois. C'est vraiment le fun, honnêtement. Ben, avec qui ce soir? J'étais avec un de mes chums. Il va faire une petite soirée, il fait beau, casino, il fait un peu froid, mais gars, on est bien entouré ici, du beau monde. Je suis excité, je t'avais jamais rencontré auparavant, puis je pense qu'il y a une complicité qui s'est créée automatiquement. Là. Oui, c'est fait, c'est installé. Je cherche pas le trouble avec James C, moi, là, tu le sais. Il est pas jaloux. Moi, je suis bien dressé, hein, je suis comme... Hey, j'adore ton kit. Merci, c'est from New York City. Oh! Hey, rien de moins, hein. Tiens, tu l'as plugué direct. Ça recommence! Ben oui, Noémie est back! C'est encore moi! Est-ce que t'aurais un mot pour décrire notre habillement? Ben là, j'ai patate au four que tout le monde dit. Moi, je dis sac à poubelle. Passez une belle soirée, les filles, c'est cool? Vraiment incroyable. On va avoir de plus en plus de monde. Tantôt, c'est DJ Tizzy qui s'en vient. On fait le party? Ouais, absolument. C'est pas le froid qui va nous empêcher d'avoir du plaisir.